Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver à nouveau pour ces rendez-vous hebdomadaires de redevabilité, le briefing que nous tenons régulièrement. Ce soir, nous allons faire un focus sur l'organisation des Jeux de la Francophonie qui est attendue exactement dans 109 jours. Vous avez vu le président de la République faire le tour le week-end dernier des différents sites qui ont été retenus pour ces grands rendez-vous à la fois sportif et culturel, mais nous allons aussi avoir l'occasion de revenir sur quelques points principaux qui ont été abordés au cours du dernier Conseil de ministres, notamment pour le président de la République, la nécessité d'opérationnaliser la Caisse nationale de péréquation. Vous savez que c'est une exigence constitutionnelle qui permet à cette structure, à cet établissement public, de compenser le retard en termes d'infrastructures que connaissent certaines provinces de la République démocratique du Congo. Le président de la République est aussi revenu sur la nécessité pour le gouvernement de répondre aux cris de détresse des maraîchers des Niterlandes de Kinshasa. Tous ceux qui vendent des légumes et des fruits, c'est sans plein et les échos sont parvenus au président de la République. Une commission a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur sur la coordination de maître Peter Casali pour être sûr qu'on écoute ses compatriotes qui nous approvisionnent en légumes et en fruits et qui travaillent dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. L'autre point, c'est aussi pour le Premier ministre la nécessité. Vous avez suivi que le 6 avril dernier a été décrétée journée chômée payée à l'honneur du combat de l'illustre prophète Simon Kimbangu. Le Premier ministre a, dans son complément à la communication du président de la République, revenu sur la nécessité pour nous, surtout dans les milieux scolaires, de revenir sur l'histoire de cet homme et des différents héros que nous avons pour que nous puissions bien connaître notre histoire. Au chapitre sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, est revenu sur le retrait que nous constatons de plus en plus de manière progressive de la force régionale, mais aussi de réunions qui se sont tenues notamment à Bujumbura, où la RDC a été représentée par le vice-ministre de la Défense. Vous le savez, nous sommes dans un processus de discussion pour le renouvellement du SOFA, qui est l'accord cadre qui permet à la force régionale de se déployer au regard justement de remarques et des différentes observations qui ont été retenues. Et sur la situation financière, le ministre des Finances, Nicolas Casady, est revenu sur la situation financière du pays de manière générale. Il a parlé de la nécessité pour le gouvernement, en tout cas très bientôt à travers les ministères dédiés, à mettre en place un mécanisme qui permet de recouvrer tous les flux financiers qui se font à travers les téléphones et d'autres opérations. J'espère que vous avez tous eu le temps de lire le compte-rendu du Conseil de ministres. Nous pourrons revenir s'il y a une des questions spécifiques quant à ce. Monsieur Isidore Kouandja, bonsoir. Vous êtes directeur national chargé de l'organisation des Jeux de la Francophonie. Ce soir, nous vous accueillons parce qu'il y avait évidemment dans l'opinion un certain nombre d'inquiétudes par rapport à l'organisation de ces Jeux. Le président de la République lui-même, comme il est toujours à l'écoute de ce que disent les compatriotes, est descendu sur place samedi toute l'après-midi pour faire l'évaluation de différents sites. Je rappelle ici qu'il y aura les sites d'organisation des Jeux qui ont été retenus. C'est le stade de Martyrs, c'est le stade Tata Raphaël, mais c'est aussi l'université de Kinshasa que nous avons eu le privilège de visiter avec les journalistes qui sont ici présents pour voir justement comment on prépare c'est l'accueil des différents athlètes. Ils sont 5000, m'aviez-vous dit, avant de commencer par ici, à être annoncés. Plus de 39 pays sont déjà inscrits. Il y aura un volet culturel à côté de 9 disciplines sportives qui sont concernées par les Jeux. Nous allons ce soir faire un gros plan sur les préparatifs de cet événement parce que la République démocratique du Congo aura l'occasion à nouveau de démontrer que le narratif est véritablement en train de changer. Je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs pour nous expliquer plus ou moins où est-ce que vous en êtes, tant sur le plan organisationnel, sur le plan de la préparation des infrastructures. Nous aurons, j'espère, bientôt l'occasion de recevoir parmi nous les nouveaux ministres des Sports parce que lui se chargera de préparer plus de 360 athlètes congolais qui doivent participer à ces Jeux. Nous espérons que nous garderons des médailles ici à Kinshasa. Monsieur Isidore, vous avez la parole. M.
Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, Excellence, Monsieur le Ministre, pour m'avoir donné cette opportunité de m'adresser aux journalistes et de parler des jeux de la francophonie. Et je voudrais également remercier tous les journalistes qui se sont déplacés aujourd'hui pour nous écouter. En fait, notre pays a accepté d'organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie juste après l'élection du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. 4 mois après, il a saisi cette opportunité pour organiser les Jeux ici dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'il voulait remettre notre pays sur l'échiquier mondial. À un moment donné, le pays était dans les oubliettes et les Jeux de la francophonie, c'était une opportunité pour le pays de faire parler de lui à travers le monde. Et donc, on a accepté d'organiser ces Jeux qui étaient prévus initialement au Nouveau-Brunswick. Et notre pays a accepté aussi pour que le gouvernement puisse s'investir dans la construction des infrastructures. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes en train de faire des efforts, le gouvernement fait des efforts importants pour construire des infrastructures qui resteront pour la jeunesse congolaise. Et donc, je viens ici pour vous présenter brièvement qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui sera fait avant que les Jeux démarrent le 28 juillet de cette année. Donc, les Jeux, c'est pour 10 jours, du 28 au, juillet au 6 août 2023. Comme Son Excellence, Monsieur le Ministre, l'a dit, c'est 9 activités sportives et 11 concours culturels. Et donc, sur le plan du sport, nous avons le stade des Martyrs et le stade Tata Raphaël. Et autour de ces deux stades, il y a la construction des infrastructures. Vous avez pu voir la visite que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a faite. Autour du stade des Martyrs, on est en train de construire 3 gymnases. Donc, il y a 2 qui sont jumelés et l'autre qui est en réhabilitation, qui est rétapé et qui sera tout neuf. Donc, ça va faire 3 gymnases pour les basketball. Tout à côté, il y a on est en train d'aménager le terrain annexe pour l'athlétisme. À l'intérieur du stade des Martyrs, on va rétoper donc la piste d'athlétisme pour permettre les activités à l'intérieur du stade des Martyrs. Autour du stade Tata Raphaël, il était initialement prévu qu'on construise le village autour du stade parce que ça permettait la proximité avec les RDG. Mais on a pris un peu du retard et le gouvernement a décidé de loger les athlètes à l'Université de Kinshasa. Toutefois, autour du stade Tata Raphaël, on est en train de construire un gymnase important pour le tennis de table, qui va servir aussi pour d'autres activités sportives. On construit également un autre gymnase pour la lutte libre et les judo, et qui vont également servir pour d'autres activités sportives. Donc, toutes ces infrastructures sont des legs qui vont rester pour des générations et pour la jeunesse congolaise. Et le village, comme je l'ai dit, on a préféré loger les athlètes à l'Université de Kinshasa. Non seulement que nous ne sommes pas les premiers à le faire, mais surtout que nous allions faire des investissements importants. Aujourd'hui, si vous passez de ce côté-là, vous verrez qu'on est en train de clôturer complètement les hommes de l'université, ce qui va sécuriser nos jeunes étudiants. À l'intérieur des chambres, on a remonté vraiment les standards parce qu'il y a eu des observations du comité international qui a voulu qu'il y ait de l'eau chaude, qu'on puisse avoir des WC à l'intérieur des chambres, et ainsi de suite. Ce sont les travaux qui sont en train d'être faits et la voirie même de l'université qui est en train, donc les travaux sont en cours. Tout cela, ce sont des investissements importants. Nous avons également contracté avec deux entreprises qui sont en train de faire monter la fibre optique à l'Université de Kinshasa. Et tout cela, ça va rester pour la jeunesse congolaise. Pour le volet culture, là, nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures. Parce que, comme vous le savez, partout ailleurs, les pays qui ont des infrastructures, comme en France, au Canada, quand ils ont organisé, ils n'ont pas construit les infrastructures. Ils ont réquisitionné les infrastructures. Et dans le domaine de la culture, nous avons réquisitionné un certain nombre d'infrastructures, dont notamment le Palais du Peuple, le musée qui est juste à côté, l'Académie des Beaux-Arts, le Centre Wallonie-Bruxelles, l'Institut français et l'échangeur de l'IMETE qui va servir de village de partenaires. Donc, c'est-à-dire, c'est un endroit où il y aura des concerts, il y aura des expositions. Donc, pendant les Jeux, les activités vont se passer également.
autour de l'échangeur de l'IMETE. Donc, brièvement, ce sont ces sites-là qui sont prévus pour le 9e G de la francophonie. Alors, sur le plan de l'organisation, nous avons deux départements. Il y a le département de culture et le département des sports, et nous avons 13 commissions, parmi lesquelles nous avons la commission qui s'occupe des communications, parce que vous êtes du monde des communications. Il y a la commission qui s'occupe des infrastructures. Il y a la commission qui s'occupe de la santé, de la sécurité, de l'hébergement, qui s'occupe du billetterie, du bénévolat. On a besoin de beaucoup de bénévoles pour nous accompagner dans le travail que nous allons faire, parce que, comme Son Excellence l'a dit, nous avons déjà recueilli à peu près 5000 athlètes, y compris les athlètes et les artistes, qui sont intéressés et qui viendront ici à Kinshasa. Donc c'est vraiment un événement important pour notre pays. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas eu l'occasion d'organiser de tels événements. Et cet événement va permettre à ce que les pays puissent avoir non seulement l'expertise, mais aussi des infrastructures pour organiser d'autres événements. Par exemple, prochainement, si nous voulons organiser la compétition africaine de basketball, nous n'aurons plus à construire des infrastructures. Nous allons utiliser les toits que nous avons construits dans le cadre de la francophonie, mais il y a aussi celui qui a été construit pour la police. Ça va être suffisant pour organiser de telles activités, y compris pour d'autres activités, notamment les judo. On construit un gymnase important. Donc, c'est vraiment une opportunité, non seulement sur le plan infrastructurel, parce qu'après les Jeux, le pays va avoir suffisamment d'infrastructures sportives pour la jeunesse, mais aussi sur le plan diplomatique, ça sera une bonne opportunité pour que la RDC soit vue à travers le monde sous un autre regard. Donc c'est vraiment ça. Moi, j'apprécie vraiment, le président a vu, à peine arrivé, il a vu juste en acceptant d'organiser cet événement. Et on est en train de travailler sérieusement. Et aujourd'hui, à un moment donné, les gens avaient des doutes, les gens pensaient qu'on n'allait pas organiser. Mais vous avez vu, lorsque le président de la République a fait une descente lui-même, et vous avez commencé à voir un certain nombre d'infrastructures qui sont dévoilées et les travaux avancent très bien. Au plus tard, le 20 mai, on aura fini complètement toutes ces infrastructures qui seront mises à disposition. Donc voilà, nous sommes là à votre disposition pour répondre à toutes les préoccupations que vous aurez. Voilà, merci Monsieur le Directeur National des Jeux pour vos mots introductifs. Le principe d'un briefing, c'est une question, une réponse directe pour permettre d'être clair dans les réponses et pour que ceux qui nous suivent à la maison puisse comprendre la pertinence de notre communication de ce jour. La dernière fois, j'avais promis que c'est Patrice Botte qui prendra la parole en premier. Venez poser votre question, s'il vous plaît. Merci pour la parole m'accorder. J'ai deux préoccupations pour le directeur national. Tout à l'heure, là, vous venez de dire que pour la construction du village de la francophonie, au niveau du stade Tata Raphaël, il semblerait que cet argent a été détourné, dont la société Janamapa qui devrait construire, et cet argent a été détourné, raison pour laquelle le gouvernement a décidé, sur le plan B, d'exploiter le site de l'UNIKID. Qu'en dites-vous? Deuxième préoccupation, vous avez fait l'objet d'une interpellation au niveau de l'ANER. Parce que vous êtes en train de faire le recrutement d'une manière tribale et des inégalités salariales. Vous refusez de payer les arriérés de salaire ainsi que le décompte de fin de service. Et pour terminer, dans les cahiers de charges, selon le cahier de charges, les ouvrages de jeux de la francophonie devraient être réceptionnés 3 mois avant. Pouvez-vous rassurer l'opinion que le 28 avril, on va réceptionner les ouvrages? Merci. Merci. J'ai compris que vous avez posé 3 questions. À la première question, je voudrais vous rassurer que l'argent n'a jamais été détourné. Il était prévu initialement que ce soit Janamapa qui construise le village. Mais il devait préfinancer les travaux.
Ça, c'était avant notre arrivée. Ça ne s'est pas passé comme tel jusqu'à ce qu'il y ait un changement de gouvernance. Lorsque nous sommes arrivés, on a estimé qu'on n'avait pas assez de temps pour construire en DIR. On a trouvé un prestataire qui devait construire en préfabriqué. Ce prestataire a effectivement été payé. Les préfabriqués sont déjà arrivés pour la grande partie à Matadi, sont en train d'être acheminés à Kinshasa. Ceux qui sont passés dernièrement, ils ont vu quand même quelques morceaux qui commencent déjà à arriver. Mais il y a eu du retard. Et c'est ce retard-là qui a fait que nous avons fait cette proposition-là. Le retard qui a été notamment dû à la fermeture de la Chine à cause du Covid. Parce que vous devez comprendre qu'il y a la Covid qui est venue bouleverser complètement pour avoir, par exemple, des conteneurs pour charger des marchandises. C'était un problème sérieux. C'était un problème mondial. Ce qui a fait que les prestataires ne pouvaient pas respecter ces engagements. Et nous, comme on ne pouvait plus reporter les jeux, on a décidé de loger les athlètes à l'université de Kinshasa. Donc ce village sera effectivement construit. Et il sera construit et il va servir parce qu'après les jeux de la francophonie, la RDC va mettre en place les jeux de la RDC. Ça va être une opportunité pour que nos jeunes connaissent les pays. Parce que la stratégie que nous voulons mettre en place, c'est que ça serait qu'après les jeux de la francophonie, on va créer les jeux de la RDC. Il y aura des compétitions interprovinciales. Et les finales vont se tenir ici à Kinshasa et ils seront logés dans ces villages-là. Donc il n'y a pas de l'argent qui avait été détourné pour cela parce que sinon les gens auraient fait la prison. Mais il y avait plutôt, peut-être qu'on n'a pas suffisamment donné l'information à temps parce qu'ici malheureusement, M. Isidore, lorsque vous ne dites pas ce que vous faites, les gens ont tendance à dire ce que vous ne faites pas. Et malheureusement, avec la vitesse de propagation de fake news qui est 7 fois plus supérieure à la vitesse de propagation de bonnes nouvelles, c'est ce qui entache l'opinion. Mais vous devez vous rassurer que pour, comme nous avions fait pour l'accueil du pape, dorénavant nous prendrons des rendez-vous réguliers pour que vous puissiez suivre chaque étape de préparatif des Jeux de la francophonie. Vous pouvez continuer. Oui, concernant mon interpellation, oui, effectivement, j'avais été interpellé. Mais c'était pourquoi? C'était quand nous sommes arrivés, on a trouvé des caisses vides. Avec un personnel impayé pendant plusieurs mois. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis une cinquantaine de personnes en congé technique parce qu'on n'avait pas de moyens de pouvoir les payer. Et même ceux qu'on avait gardés, ils n'étaient pas payés. Et lorsque nous avons été appelés à préparer les budgets, on n'avait pas toute la situation. Parce que je vais vous dire que moi, je suis. Donc, je fais partie du quatrième comité. Avant moi, il y a eu 3 comités qui sont passés. Et ces gens-là, ces agents, n'avaient pas été payés. Et lorsque je suis arrivé, déjà, le premier jour que j'ai fait la remise reprise, j'ai trouvé des gens qui marchaient pour réclamer leurs arriérés. Nous avons pris ces dossiers-là à cœur. Nous avons mis en place une commission avec certains des anciens qui sont encore au CNJF à ce jour. Et ceux qui étaient déjà partis, ils ont constitué une équipe pour recenser toutes les personnes qui avaient travaillé dans les premiers comités, dans les deuxièmes comités et dans les troisièmes comités. Nous avons recensé, et c'était autour, je pense, des millions quelques à payer à tout ce monde-là. Nous avons adressé une correspondance au comité de pilotage pour présenter ce dossier-là. Parce que quand nous sommes arrivés immédiatement, on devait mettre en place un budget. On ne pouvait pas prendre en compte cette partie-là parce qu'on n'avait pas la situation réelle. Lorsqu'on a eu la situation réelle de toutes les personnes qui avaient travaillé et qui devaient être payées, nous avons fait cette démarche-là. Mais il y a des gens qui étaient impatients, qui estimaient qu'ils devaient rapidement être payés parce que le gouvernement avait mis de l'argent à notre disposition. Mais l'argent qui avait été mis à notre disposition, c'est à la suite du budget que nous avons fait. Et vous savez que le budget, c'est la somme de plusieurs rubriques. S'il n'y a pas une rubrique qui est prévue, ça va être difficile de dépenser de l'argent d'une autre rubrique parce que ça sera considéré comme un détournement. Donc c'est ça qui a été, c'est ça qui est arrivé. Et lorsque nous sommes allés, on a présenté la situation. Les jours suivants, nous avons été relâchés. Donc il n'y avait pas
Il n'y a pas un problème là-dedans. Ce dossier est en cours. Nous avons écrit, et après, quand je suis sorti, j'avais écrit à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour voir dans quelle mesure on peut régler cette question-là. Et on va régler cette question pour toutes les personnes qui avaient travaillé et ils seront payés de toutes les façons. Donc, il y a la troisième question, si vous voulez rappeler rapidement. C'était à propos de Djanamapa. À propos de Djanamapa. Djanamapa. Non, pour les délais. Oui, c'était pour les délais. En fait, les délais, initialement, c'est prévu 3 mois avant les Jeux. Mais comme j'ai dit, ça, c'est ce qui est prévu dans les statuts du Comité international des Jeux de la francophonie, qu'il faut 3 mois parce que pendant les 3 mois, on donne la possibilité de faire des tests, de vérifier que tout est correct. Mais c'est aussi une opportunité pour les pays hôtes d'avoir les infrastructures nécessaires pour que les jeunes puissent s'entraîner et pouvoir gagner des médailles. Mais comme je l'ai dit, les problèmes actuels, la guerre en Ukraine, la situation des Covid et tout ça, a des répercussions. Ce qui fait que les délais du 28, il y aura peut-être certaines infrastructures, comme par exemple les 3 gymnases dont je parlais autour du stade des Martyrs, pourront être prêts à cette date-là. Mais il y a d'autres qui seront prêtes le 20 mai. Donc à partir du 20 mai, nous aurons toutes les infrastructures nécessaires pour organiser le 9e Jeu de la francophonie. Voilà, on va prendre la question de Romain Sumbula. Monsieur le directeur national, j'ai 2 petites questions. La première, c'est par rapport au déplacement des athlètes. Ils seront logés à l'université de Kinshasa. Mais partir de là pour atteindre le site ou le lieu, le terrain des Jeux, quelles sont les dispositions pratiques que vous avez arrêtées, étant donné que le transport dans la ville de Kinshasa est déjà compliqué? Deuxième petite préoccupation, c'est par rapport aux disciplines culturelles. Lesquelles avez-vous retenues? Parce que vous nous avez dit qu'il y aurait des gymnases pour le sport, ainsi de suite. Et est-ce que vous avez tenu aussi compte des provinces? Comment avez-vous sélectionné les athlètes qui nous viendront de province? Merci. Merci. Déjà, pour les transports, c'est vrai que c'était une préoccupation parce qu'initialement, nous avions prévu de loger les athlètes à Tata Raphaël, comme je l'ai dit, et que là, ça n'allait pas poser beaucoup de problèmes. Mais lorsque nous avons pris la décision de loger les athlètes à l'Université de Kinshasa, on a commencé à penser à des possibilités de trouver une voie dédiée pendant les 10 jours des Jeux. Raison pour laquelle vous vous rappelez que le gouvernement fédéral avait débloqué 3 millions pour finaliser les travaux de la route Elengessa. Le gouvernement national. C'est ça. Le gouvernement, c'est ça. Donc, il y a... Le gouvernement central, plutôt. Le gouvernement central, voilà. Donc, on a financé pour qu'on finalise cette voie-là. C'est cette voie que nous sommes en train de voir dans quelle mesure elle sera dédiée pendant les 10 jours pour que, si vous avez déjà pris, parce qu'hier, par exemple, quand on est allé visiter, c'est cette voie que nous avons prise. Et arrivé du côté de donc la voie qui va vers Mongafula, on tourne, on va monter vers les cliniques universitaires. Donc cette voie-là, on va l'utiliser pendant les Jeux. Je sais que le problème des transports à Kinshasa, il est général. Mais pendant les Jeux, on va prendre les dispositions nécessaires et on va aménager ces tronçons-là pour qu'on puisse faciliter les transports des athlètes. Pour les activités, il y a effectivement 11 activités culturelles. C'est les chants, les contes et conteurs, la sculpture, la peinture, les marionnettes, le hip-hop. Il y a plusieurs activités qui sont prévues dans les domaines culturels et ça va avoir lié soit au Palais du Peuple, soit au musée, soit à l'Académie des Beaux-Arts, au Centre culturel, au Centre Wallonie de Bruxelles, et au centre français, donc institut français. Et les gens des provinces? Les gens des provinces, il faut juste faire la part des choses. La RDC est pays organisateur et également pays participant. Nous, en tant que direction nationale des 9e Jeux de la francophonie, nous nous occupons de la partie organisation. La partie participation, il y a 2 ministères.
principalement le ministère des Sports, le ministère de la Culture, mais dans une certaine mesure le ministère de la Jeunesse, qui s'occupe de la sélection, de l'encadrement et même d'habiller nos athlètes et tout ça pour participer. Et ce travail-là, je pense qu'ils l'ont déjà fait parce que dans les domaines culturels, on a sélectionné, je pense, 48 artistes. Et dans les domaines sportifs, on a sélectionné 361 personnes pour représenter la République démocratique du Congo. Donc, cette sélection a été faite au niveau national. Maintenant, les deux ministères vont s'en charger pour prendre en charge, effectivement, ces jeunes gens pour les former, donc les entraîner pour qu'on puisse gagner suffisamment de médailles. Donc ça, c'est vraiment pas la responsabilité. Nous aurons l'occasion de revenir dessus, parce qu'ici, on parle de l'organisation des Jeux, des infrastructures qu'ils concernent. Mais pour ce qui concerne la préparation des athlètes, tout à l'heure, je parlais de mon collègue de sport. La collègue de la culture pourra être associée, ainsi que celui de la jeunesse, pour que nous puissions faire les points. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de visiter, d'aller voir des athlètes, comment ils seront en train de se préparer. Parce que l'événement doit être une communion nationale. Et je présume que, par exemple, pour la fédération de judo, on pourra avoir des délégués qui viendront des provinces pour venir participer à ce qui se fera ici à Kinshasa. On va prendre la question de Madame Gino Tabou. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Monsieur Isidore, je vous pose la question parce qu'on a parlé des athlètes, des acteurs qui vont représenter la RDC dans ces Jeux de la francophonie. Oui. Qu'a fait le gouvernement pour leur préparation? Est-ce qu'ils se préparent déjà? On les connaît? Est-ce qu'ils sont vraiment en pleine préparation pour que le pays ne soit pas honteux ce jour-là? Et puis une autre question, c'est au ministre de la Communication. Quelle est la réaction? Parce que nous avons suivi dans les réseaux sociaux, les présidents burundais en train de faire des déclarations selon lesquelles que l'EAC, qui occupe aujourd'hui certaines zones en conflit, que l'EAC, les forces régionales, vont rester là jusqu'à ce qu'il y aura une armée forte ou une police forte de la part de la République démocratique Madame, du Congo. Donc nous devons comprendre que le mandat est indéterminé non, de l'EAC. S'il vous plaît, j'ai déjà répondu à cette question dans ces briefings. Cette vidéo date d'il y a 3, 4, 5, 6 mois. On ne va pas revenir dessus parce que ici il faut comprendre le principe. Je crois que nous parlons beaucoup de ce qui a été convenu dans le plan, de la force régionale, ses missions, son mandat et comment ces choses vont se faire. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous sommes rentrés dans une phase, la phase la plus critique justement de ces processus, parce que vous suivez comme nous quotidiennement qu'il y a de retrait. Nous disons nous préférons rester sceptiques et prudents pour ne pas nous hasarder, parce que nous connaissons plus ou moins les méthodes de ceux qui sont en face, mais vous allez observer comme moi que depuis le 28 mars dernier, il n'y a pas eu d'affrontement parce que de notre niveau, de notre côté, il y a un besoin de nous tenir aux engagements auxquels nous avons souscrit pour permettre à cette partie, en tout cas pour cette première phase, de s'opérer en toute sérénité, parce qu'il y a des discussions en cours, notamment sur les renouvellements du SOFA, du mandat de l'EAC. Je pense que je dévoile pas un secret d'État, mais je pense que le renouvellement pourra se faire autour de 3 mois, parce que nous estimons que si cette phase critique se déroule dans la sérénité, comme les choses sont prévues, il n'y aura pas besoin d'avoir ces forces au-delà de ces délais. Mais entre-temps, il y a des discussions. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce que le vice-premier ministre de la Défense, nous avons fait le point en Conseil, notamment autour de remarques, parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur la force régionale. Il y a besoin que cela puisse être réajusté dans l'objectif, pour nous tous en tout cas, de parvenir au respect du plan qui a été convenu. En même temps, vous avez suivi que le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, a annoncé la 4e phase des discussions de Nairobi. Le professeur Serge Tshibang, je pense qu'il était sur Okapi ce matin, où il a expliqué que ces discussions se feront plutôt ici, en République démocratique du Congo, dans plusieurs coins qui ont été touchés. Donc je considère que de ces points de vue, nous sommes rentrés dans une phase critique et nous espérons que cette phase critique aboutira suivant les recommandations et suivant surtout l'engagement qu'avait pris le président de la République. À votre première question, je pense que nous y avons déjà répondu. Parce que lorsque M. Isidore a dit tout à l'heure
que lui s'occupe de l'aspect de l'organisation. Il y a des aspects, notamment préparation des athlètes ou préparation des artistes qui vont prester durant ces 10 jours, qui relèvent plutôt de ministres de la culture et des ministres de sport. Il y a un travail transversal qui s'est fait au niveau du gouvernement, pour lequel nous reviendrons avec les détails précis au fur et à mesure que cela va évoluer. Les plus urgents aujourd'hui, et c'était même ça le sens de la visite du président de la République, c'était pour se rassurer que tout se déroule plutôt comme prévu et que nous pourrons respecter les délais malgré toutes les contraintes qu'il y a eu. Et le principe que je voudrais que tout le monde puisse garder, c'est que même lorsque nous avions organisé la visite du pape, tout ce qui se fera dans le cadre de l'organisation des Jeux doit rester en héritage. Ça veut dire que les Jeux vont durer 10 jours, mais à Lunikin, les étudiants vont hériter d'une piscine olympique de 55 mètres de longueur et de 4 mètres de hauteur. Nous avons eu l'occasion de les visiter avec les journalistes ici. C'est impressionnant. Ils auront un espace sportif bien en place. Je pense que c'est aussi un des éléments qui permettra de rencontrer l'objectif du président de la République, qui est celui de concourir à la bonne formation de nos jeunes. On va prendre la question de Pichu Mulumba, puis on reviendra à celle de Pascal Mulengwa. Merci beaucoup. Permettez-moi, monsieur le porte-parole du gouvernement, de sortir du sujet du jeu de la francophonie, comme l'a fait d'ailleurs ma consoeur lors de sa deuxième préoccupation. C'est pour évoquer un sujet qui défraie également la chronique. Il s'agit de la loi Tchani, ces textes qui limitent l'accès à certains postes de haute responsabilité aux seuls Congolais, nés des pères et des mères congolais. Quels commentaires faites-vous à propos de la réaction du cardinal Ambongo qui a invité la loi Tchani à la messe pascale? C'est la première préoccupation. Et puisque nous y sommes, monsieur le porte-parole, une autre déclaration est celle de Christian Mwando, un proche de Moïse Katumbi, qui a alerté sur les conséquences en cas d'adoption de cette loi. En clair, c'est la menace du détachement du Grand Katanga qui a été brandie. Qu'en dites-vous? Et finalement, la loi Tchani, quelle est la position du gouvernement sur cette initiative? Écoutez, je pense que, avant que je n'entre dans le fond de votre question, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on sache ce que nous voulons. Monsieur Tchani est un citoyen congolais qui a soulevé un débat qui suscite la passion dans l'opinion. C'est une expression démocratique, parce que visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujet tabou. Oui, il ne devrait pas exister de sujet tabou. Il vous souviendra, j'étais député au mandat passé, vous couvriez à l'Assemblée nationale, qu'il y a un de collègues qui avait même pris l'initiative pour parler d'une loi du genre mariage pour tous, quelque chose de ce genre. Alors, est-ce que M. Tchani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit les mettre en prison? Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en prison? Parce que finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui, malheureusement, est visiblement entretenue, qui plaît à beaucoup parce que ça donne des prétextes pour tenir des propos tels que vous l'avez dit. Je veux y revenir. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Tchani, comme il faut reconnaître d'ailleurs à Christian Mwando, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Des deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut répondre à une loi que l'on considère discriminatoire? Vous avez parlé de l'homélie du cardinal, j'étais à la messe hier, je l'ai entendu. J'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour répondre à Christian Mwando qui utilise un discours ségrégationniste pour répondre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors on dirait, et M. Tchani et M. Mwando, leur place est en prison. Mais alors, parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi. Et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous puissions revenir dessus, parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous,
Parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une politique qui avait été entretenue en Côte d'Ivoire. Ici, le gouvernement ne s'est pas prononcé ou ne soutient pas ou n'est pas porteur de cette loi. Moi, j'ai porté la loi sur les médias, vous avez suivi. C'est une loi qui est portée par un individu qui a utilisé de son droit démocratique. Ici, ce n'est pas une stratégie du gouvernement portée par les gouvernements pour dire qu'on va adopter cette loi. Je me réserve d'ailleurs de rappeler à ces sujets le point de vue du président de la République qui est bien connu. Et lorsque nous parlons, par exemple, du processus électoral, le président a rappelé qu'il s'assurait que tous les Congolais puissent avoir le droit de participer. Alors, pourquoi voulez-vous que le gouvernement s'exprime sur un sujet qui démontre à suffisance que la République démocratique du Congo est dans un processus de maturation de sa démocratie? Les moments venus, parce que c'est à l'Assemblée nationale que c'est là ces débats, l'Assemblée nationale consultera les gouvernements pour avis. En ce moment-là, le gouvernement pourra se prononcer. Mais le gouvernement ne peut pas commencer systématiquement à se prononcer sur tous les débats qui peuvent être suscités dans l'opinion et qui font preuve de la vitalité de notre démocratie. Mais ici, il faut que les uns et les autres, maintenant, sachent dans quel contexte nous sommes. Nous sommes, M. Pichimulumba, dans un contexte où les Congolais sont fâchés pour ce qui concerne cette agression à l'est de la République démocratique du Congo. De chaque matin, vous voyez des réactions. Et donc, il y a un climat ambiant qui fait que certains pensent que c'est les meilleurs moments pour agiter telle question, pour susciter telle question, pour leurs intérêts. C'est la démocratie. Il faut qu'on accepte cela. Mais ici, il faut que tout le monde, alors, moi, j'aurais peut-être voulu, parce que nous tous, nous reconnaissons l'autorité de l'Église, j'aurais voulu, par exemple, que le cardinal invite à la fois, M. Tchani, ou qu'il invite l'honorable Christian Mwando pour discuter avec eux. Ce sera aussi ça, la beauté de la démocratie, de voir que des autorités religieuses qui sont préoccupées par un sujet comme celui-là, qui présente des germes d'inquiétude, pour comprendre, pour comprendre les contenus et éventuellement donner une position. Ici, les moments venus, les députés nationaux qui ont été élus sauront quelle voie donner à la République dans l'hypothèse où cette question venait à être débattue à l'Assemblée nationale. Je vous exhorte, parce que je ne voudrais pas aller plus loin, à aller alors scruter toute la procédure qui peut se passer au niveau de l'Assemblée nationale et jusqu'à ce que ça peut permettre à cette loi, dans l'hypothèse où elle est adoptée, qu'elle commence à être d'application. Vous allez voir que les choses ne sont pas aussi faciles qu'elles n'y paraissent. Alors, j'exhorte ceux qui pensent tirer profit de cette loi, en faisant notamment une mauvaise campagne sur les pays, parce que nous voyons des lobbyistes faire des courriers, des articles qui sont faits pour accuser les gouvernements. Ce n'est pas du tout honnête de vouloir lier le gouvernement à une initiative qui est portée par un individu qui est du reste bien connu et dans son style. Voilà. On va prendre la question de Pascal Moulegba. Excusez, monsieur le ministre, l'initiative n'est pas portée par un individu comme vous l'avez présenté comme un commun des mortels. L'initiative est portée par un député de la majorité à laquelle vous appartenez, à laquelle le gouvernement appartient. Et donc, ce n'est pas un débat sollicité par un commun des mortels. Attention, avant que vous ne puissiez continuer, il faut comprendre le processus législatif, comment il s'opère. Moi, j'ai porté la loi sur la presse, mais ce n'était pas le contenu de cette loi. Nous l'avons discuté ensemble. Et il ne faut pas ici aller dans l'amalgame. Ce n'est pas parce que vous êtes député de la majorité, on dit que le mandat du député est impératif, qu'on vous prive de vos droits, d'user de votre pouvoir. Ici, la question, dans l'hypothèse où la question est alignée et que nous savons que nous disposons de la majorité et que la majorité se prononce en faveur de cette loi, à ce moment-là, vous pouvez poser des questions. Mais là, vous ne pouvez pas priver un député. L'idée de dire, voilà, c'est peut-être l'occasion d'évider ça une bonne fois pour toutes. Qui vous dit que l'Assemblée nationale va l'adopter? Pourquoi pensez-vous que parce que c'est une initiative qui a été portée, que forcément elle va aboutir? Il faut
essayer de regarder la question de l'autre côté, parce que nous, nous n'avons aucun intérêt pour le moment où nous voulons travailler à construire notre unité nationale, à aller dans des sens où on va donner des prétextes à des gens pour dire, bon voilà, la République démocratique du Congo, il y a ceci, il y a cela, parce qu'on veut se victimiser derrière une initiative. L'escalade dénoncée même au niveau des Nations Unies par rapport à cette initiative, est-ce que cela n'inquiète pas le gouvernement? Ça c'est la première question. J'ai une question pour M. Isidore Kouandja. Moi je ne suis pas trop habitué au sport, mais quand il y a de tels jeux, de telles organisations, les 9e jeux de la francophonie par exemple, comment est-ce que ça se passe? Quelle est la part par exemple de l'OIF dans l'organisation? Est-ce que toutes les charges incombent au gouvernement de la République? Et puisque la transparence est une marque peut-être de ce gouvernement, ce n'est pas, je ne vante personne, voudrez-vous nous dire aujourd'hui ce que vont coûter ces jeux au trésor public congolais? Puisque vous êtes directeur du comité bien sûr. Voilà, c'est clair. Les jeux, on le sait, on a fait un budget de 66 900 euros pour l'organisation. Pour les volets infrastructures, ce sont des infrastructures de la République. C'est géré par le ministère des ITPR. On construit pour la jeunesse congolaise et ça va servir pour les jeux de la francophonie. Comment ça s'organise? C'est que le pays investit dans les infrastructures s'il n'y en a pas. Comme dans notre cas, il n'y en avait pas assez. On a construit, on n'avait pas de gymnase pour les baskets. On n'avait pas les gymnases pour les judo, pour la lutte libre, pour les tennis de table. On est en train de construire et ça, c'est le trésor public qui finance la construction de ces infrastructures. Au niveau de l'organisation, tous les athlètes qui sont inscrits, leur pays paye 400 euros par athlète. Tous les pays qui participent, ils vont payer une contribution. Cet argent va servir notamment pour tous les coûts qui touchent au transport, à l'hébergement des athlètes quand ils sont dans un pays hôte. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dans notre budget, nous avons une partie organisationnelle, nous avons une partie investissement. Toute la partie investissement, ce sont les investissements du pays hôte, parce que ce sont, on va acheter un certain nombre de d'engins, notamment des ambulances, notamment tout ce que nous allons acheter donc pour l'organisation comme investissement qui vont rester pour le pays, ça c'est le gouvernement qui paye. La partie qui touche l'organisation, comme je l'ai dit, la restauration, les transports, ainsi de suite, la contribution des États, la contribution de chaque athlète. Il y a aussi des contributions volontaires des États, parce que les jeux de la francophonie sont les jeux de la solidarité. Donc il y a des États qui peuvent apporter soit une contribution financière, soit une contribution matérielle, soit une contribution en ressources humaines. Parce que nous avons aussi besoin des gens qui avaient déjà organisé de tels événements, qui peuvent apporter leur contribution pour que nous puissions réussir notre événement. Donc il y a cette contribution-là. Mais il faut aussi dire que l'OIF est de façon permanente ici en RDC. Presque chaque mois, nous recevons des délégations qui viennent. Ces délégations-là, ils sont prises en charge, pas par nous, par l'organisation, pour venir nous accompagner. Le comité international du jeu de la francophonie travaille en collaboration. Si vous lisez l'ordonnance, même les statuts du CIGF, c'est-à-dire que les jeux sont organisés par les comités nationaux et les comités internationaux sous l'égide de l'Organisation internationale du jeu de la francophonie et de la francophonie. Donc, il y a une contribution importante que l'organisation met dans l'accompagnement avec les experts qu'on met à notre disposition, c'est eux qui les prennent en charge, tous leurs séjours ici, ainsi de suite. Donc, il y a cette contribution-là, comme je l'ai dit, des athlètes, des pays qui participent, mais aussi des autres pays membres de la francophonie qui apportent la contribution. Donc, le budget, il est clair, comme je l'ai dit, c'est 66 900 000 qui avaient été adoptés et par le gouvernement congolais, et par le comité international de la francophonie et qui a été tout dernièrement adopté par le conseil permanent de la francophonie. Alors, vous aviez fait un petit commentaire tout à l'heure en parlant de Nations Unies. Il faut que les choses soient bien claires ici parce que nous, on entend souvent dire discours de haine. Monsieur Moulégua, vous êtes journaliste. Dites-moi, avant la recrudescence du M23, si on pouvait parler des discours de haine en République démocratique du Congo. Premièrement. Deuxièmement, allons-y. Deuxièmement, pourquoi on ne parle pas beaucoup ou de la même manière de ce qui se passe ici à Kwamout?
c'est un conflit qui oppose des ethnies ou pas? Pourquoi il y en a régulièrement dans le Kassai des conflits du même genre? Pourquoi on n'en parle pas? Donc ici, il faut qu'on fasse attention, parce qu'on a vu un rapport, justement, d'une dame, je pense, de l'ONU, qui parlait de prévention contre les génocides, qui est allée extrapoler et tout ça. J'ai l'air répondu une fois dans une réunion en disant, les Congos, c'est 100 millions d'habitants. 100 millions d'habitants. Combien comptez-vous des cas de ce genre? Il faut faire attention à relayer. Et c'est pour ça que les gens aujourd'hui qui alimentent les plus ou qui donnent encore plus de poids à une initiative, à mon avis, qui ne devrait pas faire l'objet de l'attention telle que ça fait aujourd'hui, il y a un dessein politique derrière. Parce qu'on veut clairement se victimiser, penser derrière, susciter des réactions qui soient hostiles ou qui viennent se rabattre sur le gouvernement, qui en réalité n'a rien à voir parce que nous sommes dans un contexte démocratique. Moi-même, je suis ministre de la communication et des médias. Vous savez dans quel contexte nous évoluons. Et même la loi que nous avons passée, c'est une loi qui nous permet de vous accorder encore plus d'espace. Mais alors, lorsqu'on peut bénéficier de cet espace, il faut que chacun de nous puisse être responsable de part et d'autre. Et donc, l'exhortation du gouvernement, c'est de demander aux uns aux autres, parce que la question est au niveau de l'Assemblée nationale, l'agenda de l'Assemblée nationale est particulièrement chargé, et si on ne l'alignait pas d'ici la fin de la session, que diriez-vous? Et si elle est alignée, ah, tant mieux, c'est votre position. Mais les autres peuvent avoir une position différente. Peut-être que si on l'alignait, on pourrait définitivement la vider dans le sens que vous voulez. Vous voyez, donc aujourd'hui, il faut que nous tous on fasse un effort pour comprendre qu'en démocratie, il y a parfois des choses qui peuvent nous irriter, mais qui peuvent faire l'objet des discussions. Moi, je suis aussi humainement parfois irrité par la prestation de certains journalistes, mais je ne les dénonce jamais publiquement, je ne m'en plains pas, je considère qu'ils sont dans leur droit de se protéger, je m'assure de les protéger dans l'hypothèse où il y a des gens qui veulent réagir de cette façon-là. Donc nous sommes dans une période d'apprentissage, de consolidation, j'espère que tout le monde comprendra son rôle et que ça servira à rien de faire une contre-campagne contre le pays parce que simplement il y a quelque chose de ce genre qui émerge. On va prendre la question d'Onassis Mutombo et puis je pense qu'on va prendre deux questions en plus. On les prend en même temps, Benoît et Serge Ntseka, pour terminer, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal de la RTNC. Alors, s'il vous plaît, une question. Juste un tout petit peu. Voilà. Je suis Onassis Mutombo de www.ar.cd, qui est le premier portail numérique des agricultures. Monsieur Isidore Kwandia, combien de pays sont-ils déjà inscrits jusque-là? Nous avons vu récemment qu'il y avait l'Union européenne et la FIFA qui avaient exclu la Russie. Nous savons la cause. Est-ce que la RDC aujourd'hui est-elle prête à accueillir les athlètes rwandais ici à Kinshasa? Voilà. Merci. Benoît, rapidement. Juste une question, monsieur le directeur. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les entrepreneurs qui ont gagné le marché dans la réhabilitation du lieu où il y aura logé? Est-ce qu'il y a combien de nationaux et combien d'internationaux? C'est lui qui fait l'Unikin. L'entreprise s'appelle EGCOC, de M. KMB, qui est congolais. Ça, j'ai vu. Mais bon, pour le reste, je n'ai pas tous les détails. On ne va pas commencer à faire la publicité de tout le monde ici. Bon, M. Isidore pourra y répondre à sa manière. On va prendre Serge Ntseka pour terminer. Merci pour la parole. Une question au ministre, mais aussi au président. C'est aussi l'occasion pour la RDC de s'exprimer encore une fois. Après les grands événements liés à l'arrivée du pape, qu'est-ce qui est prévu sur le plan médiatique en ce qui concerne les confrères qui viendront de l'étranger et nous-mêmes? Parce que c'est l'occasion pour nous, un challenge, je crois que par rapport à l'organisation, mais aussi par rapport à nos médias, de vendre la meilleure image de nous-mêmes, de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a de dispositions qui seront prises pour que la presse, tant nationale qu'internationale, soit dans les meilleures conditions de parler du Congo? Merci. Monsieur Isidore, allez-y. On l'avait déjà dit tantôt, on est à 39 pays qui sont déjà inscrits, sur les 42 qui étaient inscrits initialement. Donc, il y a une grande participation, comme je l'ai dit, à peu près 5 000 qui sont déjà. L'exemple que vous donnez, je sais que dans les pays qui sont déjà inscrits,
le Rwanda n'est pas parmi. Donc je pense que cette question ne se pose pas parce qu'ils n'ont pas confirmé leur inscription. Alors pour les entrepreneurs, la plupart, et je dirais même presque tous, sont des entreprises congolaises qui ont obtenu des marchés. ABC qui réhabilite Alliance des bâtisseurs le stade Tata Raphaël. Ce sont des jeunes entrepreneurs congolais qui se sont constitués. C'est à peu près 8 entrepreneurs qui se sont mis ensemble pour réhabiliter tous ces espaces-là, le stade Tata Raphaël, Oudjana 1 et 2 et consorts. Si vous prenez New Sotem, c'est un Congolais qui a obtenu ces marchés-là pour la construction du stadium pour le tennis de table. Si vous prenez l'autre infrastructure pour la lutte libre et les judo, Sodimas, c'est aussi un Congolais qui y a ces marchés-là. Si vous allez au stade des Martyrs, qui est d'ailleurs une infrastructure modèle, parce qu'ils sont vraiment très avancés, c'est un Libanais, mais qui est né ici en RDC, qui est Congolais, qui travaille ici, qui a son entreprise ici. Donc, ce n'est pas une entreprise étrangère. Donc, la plupart, je dirais même presque tous, sont des entreprises congolaises qui ont obtenu les marchés dans le cadre des jeux de la francophonie. Pour revenir à votre question, vous disiez encore... La place que vous aurez... Ah oui, la place. Voilà, justement. Et nous avons une commission des communications. Nous travaillons, d'ailleurs, pour la raison pour laquelle j'ai demandé à m'adresser à vous en ce moment-ci pour vous informer que nous sommes en train de travailler parce que, comme vous le savez, quand on organise de tels événements, on a besoin de médias. On a un centre de médias qui sera installé et qui va permettre à ce que vos collègues, que ce soit les journalistes internationaux, parce qu'on va en attendre à peu près 300 médias internationaux qui vont venir pour couvrir le 9e jeu de la francophonie. Donc, on va mettre en place toutes les dispositions. C'est pour ça que je me suis rapproché de la RTNC, je me suis rapproché du ministère des Communications pour travailler ensemble justement pour que nous puissions relayer donc les événements qui vont avoir lieu ici en RDC pendant les 10 jours des jeux de la francophonie. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je suis là devant vous. C'est pour ça que je me rapproche de la RTNC, qui est notre chaîne mère, qui va diffuser tous les événements qui auront lieu pendant les jeux de la francophonie. Voilà, je pense que nous allons terminer cet exercice de ce soir. Nous allons nous assurer, comme je disais tout à l'heure à Pascal Moulégois, que le journaliste puisse avoir accès à l'information, à tous les détails, parce que nous pensons que c'est de cette manière que nous pouvons lutter contre la propagation, notamment de fausses nouvelles, et contre la manipulation, parce qu'il y en a beaucoup, fort malheureusement. Et donc, cet exercice est le premier avec M. Isidore, mais pas le dernier. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes à 109 jours, faites les décomptes avec nous. Les moments venus, nous reviendrons avec d'autres détails pour que le Congolais puisse s'approprier de ces jeux, finalement, parce que c'est nous qui serons le pays hôte, pour que ceux qui viendront cette fois-là rencontrent véritablement le Congo dans sa diversité, dans sa pluralité et dans ses différentes richesses culturelles. Monsieur Isidore, je vous remercie de vous être associé à cet exercice des rédévabilités. Merci à vous tous et bonne soirée.